Bonsoir. Oh bien, tu es revenu, hein. Donc je t'avais pas bloqué, hein. Tu vas être sale ce soir, hein. Pas venir m'énerver après. Bonsoir Myrlène, bonsoir, bonsoir, je vais pas durer, hein. Je vais pas vraiment durer. Oh là là, regardez la tête de votre soeur. Merci pour le cœur, Marc-Henri. Merci pour la rose. Merci, merci. On va pas durer, on va faire vite fait une petite communication, vite fait, puis on passe. Je reviendrai dans le jour. Hein? Bon, j'en ai un coup à l'île. Il s'agit d'amour. Eh, papa met le cœur à sa fille. Merci, papa, de mettre le cœur à ta fille, non? Merci mon papa chéri. Bonsoir à tous, bonsoir. J'ai même pas la force de mettre la musique longtemps. Je viens de rentrer, votre fille m'a amené quelque part là-bas, à Metz, là-bas, aller chercher ces choses qu'elle commande sur internet. Donc je viens de jouer son livreur comme ça là. Je viens à peine d'atterrir dans la maison fatiguée. Bon, je vais pas durer, sincèrement je vais pas durer. Je vais juste balancer une information vite fait qui sera cruciale pour vous et moi dorénavant ou à l'avenir dans les prochaines jours, les prochaines années ou les prochaines semaines, parce qu'on sait forcément qu'il y a toujours quelque chose qui arrive au Gabon, il y a toujours quelque chose qui arrive au Gabon. Il faut apprendre à faire les choses pour que les gens soient en sécurité. Voilà, c'est de ça que je vais parler. Bonsoir Chéron, merci, merci. Ça là, ça c'est une période de la gare routière depuis 2007. C'est une période de la gare routière depuis 2007. Je garde ça, quand ça m'énerve, je vais fouiller. Je peux vendre, je peux partager toutes les périodes, sauf celle-là de la gare routière 2500. Comme quoi, moins cher et efficace, 2500 à la gare routière, je l'ai encore depuis 2007. À la gare routière, je l'ai encore. Bien, comment allez-vous Nestor? Bonsoir, bonsoir mon cher papa Bissielou. Comment tu vas papa? Alors, vous avez vu le post tout à l'heure, je vous ai partagé un petit post tout à l'heure, un grand post où on m'a informé juste là à 15h, 16h et pendant ce temps-là, j'étais en train de rouler. Donc le post où je vous ai dit partager, partager, je l'ai édité en parlant comme ça parce que j'étais en train de rouler avec une autre main. Donc quand j'étais en train de rouler, j'ai dit à Elsa de directement partager parce que j'étais en conduite. Et donc du coup, comme quand je roule là, j'aime regarder les infos. Moi, je roule comme ça. Excusez-moi pour les gens qui me croisent à la route. Je suis une chauffeur bizarre parce que j'ai des commandes et tout. Donc, quand moi, je roule là, je roule avec un œil comme ça. C'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Donc, pendant que j'étais en train de rouler, je regarde WhatsApp et je vois le message qu'un frère m'a envoyé. Et donc, j'étais en train de commenter en même temps. Et comme je voyais qu'il y avait un peu trop de cookies, j'ai dit à ma fille, essaie de me revoir ça et partage-moi ça en même temps. Donc, c'était pendant la conduite. Et je viens de rentrer, j'ai fait 3 heures aller-retour. Et je me disais que quand je vais venir, je vais directement venir faire cette petite vidéo pour sensibiliser beaucoup d'entre nous, beaucoup de Gabonais, lorsque nous avons des appels d'urgence. Alors ici, il s'agissait de l'appel d'urgence d'une jeune fille, d'un enfant qui était disparu. Enfin, pas, oh putain, merde, disparu. Qui s'est retrouvé seule suite à la mort de sa grand-mère. Elsa, je suis en live, il faut baisser d'un ton. Qui s'est retrouvé seul suite à la mort de sa grand-mère. Et l'information qu'on nous a donnée, que moi j'ai reçue, je pense que j'ai partagé la vidéo il y a à peu près 2 heures. Vous voyez que c'est, quand moi j'ai l'information, c'est là où je partage. Si je n'ai pas su, vous voyez que je ne partage rien, c'est que je ne suis pas au courant. Voilà. Donc il y a 2 heures, j'étais au courant. Et vous voyez l'information, il n'y a pas grand-chose dedans. Ici, ce que je vais faire savoir ici par cela, c'est vous et moi vous interpeller. Parce que parfois, on donne des informations aléatoires. Et si on nous dit, il y a une jeune fille qui a été retrouvée seule, qui se retrouve seule suite à la mort de sa grand-mère. Ça s'arrête là et la jeune fille se retrouve où? À l'hôpital d'Oyem. Alors, il y a beaucoup d'informations qui vont manquer ici par rapport à d'autres personnes qui peuvent connaître la famille. On ne sait pas où est la grand-mère malgré qu'elle soit morte. Est-ce que le corps a été
renvoyé à Makoku. Quand la grand-mère est morte, qui a pris en charge le corps de la grand-mère? Comment l'enfant s'est retrouvé à l'hôpital? Qui a déposé l'enfant à l'hôpital? Qui a su que sa grand-mère est morte et prendre l'enfant et laisser la morte et envoyer l'enfant à l'hôpital? Donc, c'est un peu toutes ces informations-là, quoi. Moi, j'ai publié comme ça. Après, la personne qui m'a envoyé ça, j'ai dit, bah, écoute, je publie comme ça, mais je trouve ça quand même grave parce qu'il n'y a pas de vigilance, il y a manque d'informations. Il faut vraiment qu'on apprenne, nous, les Gabonais, à pouvoir donner autant maximum d'informations aux gens. Et lorsque vous avez déjà la réponse, lorsque vous avez trouvé solution, il faut aussi réinformer les gens. Ça encore, c'est la deuxième partie. Donc, je vais commencer par la première partie. Lorsqu'on annonce une telle publicité, enfin, lorsqu'on fait passer une telle annonce, que voici une jeune fille qui s'est retrouvée seule suite à la mort de sa grand-mère lors d'un accident. Cet accident s'est passé où? Est-ce qu'il y avait des personnes? À quelle heure? Quelle date? Pour montrer aussi aux gens de Makoku que vous avez votre parent qui est mort. Est-ce que le corps est déjà à Makoku? Où est le corps de la grand-mère? Là, on ne nous dit pas. Excusez-moi, moi, je vais peut-être venir parler. Peut-être que les gens vont me dire, mais tu parles de quoi? Mais moi, ce genre d'information, ça fait mal parce qu'il y a tellement un manque. Il y a un manque d'informations pour informer les gens. Pas compatir direct. Cet enfant se retrouve dehors. Il n'y a personne. Sa grand-mère est morte. Voici l'information globale qu'on nous donne ici. Ensuite, non seulement on ne sait pas, ça ne nous regarde pas, mais je vais essayer d'interpréter, interpeller. La grand-mère, elle est décédée, mais la jeune fille a été récupérée. Par qui a enlevé la jeune fille auprès de sa grand-mère pour l'amener à l'hôpital? Est-ce que cette personne-là, qui savait que la grand-mère se rendait à Makoku, ça connaissait la grand-mère, mais n'a pas pu contacter les grands-parents? Deuxième question, moi qui m'a choquée, est-ce que la grand-mère n'avait pas de nom? Et l'enfant n'avait pas de nom. Donc, il faut aussi donner ce genre d'informations. Je pense que quand on regarde la petite qui est allongée, cet enfant parle. Elle peut au moins parler. On peut quand même l'interroger que, bébé, oh, comment tu t'appelles? L'enfant va donner le nom. Ta mère s'appelle comment? Va donner le nom. On va se renseigner. En fait, c'est pour vous dire aussi que quand vous avez envie de donner des informations, une alerte, essayez de donner toutes les informations importantes pour que les gens rentrent. Parce qu'aujourd'hui, les histoires des enfants, c'est fragile. Les histoires des enfants au Gabon, c'est fragile. Il y a beaucoup la mafia autour des enfants. Il y a beaucoup d'enlèvements autour des enfants. N'importe qui peut se présenter auprès de l'hôpital d'Oyem et dire, je suis le parent de cet enfant qui se retrouve seul aujourd'hui. Vous comprenez? Je suis le parent de cet enfant qui se retrouve aujourd'hui sans parents. Donc, vraiment, à tous les Gabonais, à tous et à tous, lorsque vous avez envie qu'on publie vos choses, prenez la peine de mettre un maximum d'informations. J'ai écouté l'audio de la personne qui lance, voici cet enfant que vous voyez. Je pense que si beaucoup vous l'avez écouté, bon, je vais quand même vous faire écouter. Et ensuite, je vais venir là où moi, c'est, je partage bien et je remercie tous mes ministres, tous les ministres, tous les boss, tous les human boss qui ont partagé. Merci à tous d'avoir répondu à cet élan de solidarité. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu commenter dans mon post que cet enfant a été ses parents sont au courant depuis, je ne sais pas si c'est aujourd'hui dans la matinée ou hier soir, un truc comme ça. Mais bon, ça encore, c'est un problème parce que les parents, après, ne disent pas. Vous savez, et c'est pas seulement ça, hein. C'est pas seulement ces parents-là, c'est beaucoup de Gabonais comme ça. Lorsque vous lancez des alertes, après vous ne nous dites pas le retour, et ça c'est pas bien. Il faut que les gens après viennent dire finalement l'enfant a été retrouvé auprès de ça, permet en tout cas de faire au moins un état de lieu de la situation. Alors, l'audio de la personne dit ceci. Voilà, on va écouter. Ici, cet enfant que vous voyez là, la photo que je vous ai envoyée là, a effectué un voyage ce matin avec, disons, sa grand-mère. Donc, il partait de Libreville pour Makoku. En tout cas, ils ont eu un accident. L'accident là a coûté la vie à sa grand-mère. Et l'enfant est resté. Donc, vous qui avez les Facebook là, essayez de publier. Donc, l'enfant se retrouve à l'hôpital chez nous, à Oyem, sans parents, sans rien. Moi, comme je suis de garde, l'enfant là, on est venu me le jeter là. Donc, j'ai déjà fait les premiers soins, première nécessité. Mais l'enfant est là seul, aucun parent. Donc, faites large diffusion là-bas. Envoyez-la. Voilà. Oui, bonjour ma chérie Coco. Alors, voilà. Vous comprenez pour moi que ce genre de d'alerte, il n'y a rien. Ça dit, même si tu appelles ici en France, tu appelles les... l'urgence,
Il y a des détails qu'on va te demander. Cet enfant, on est venu me jeter cet enfant. Bon, les personnes qui sont venues te jeter l'enfant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Il n'y a pas un papier? Il n'y a rien? Est-ce qu'il y a cette personne qui est venue te jeter l'enfant à l'hôpital? Là, est-ce que la personne te dit où se retrouve la grand-mère décédée? Ou la mère, en tout cas, ils ont eu l'accident. En tout cas, là, qui confirme qu'il y a eu l'accident? Et l'accident s'est passé où? Vous voyez ce genre de détails-là, mes chers compatriotes gabonais, apprenons à au moins véhiculer l'information nécessaire, importante, pour que les gens devant aient au moins toutes les informations pour faire circuler la chose. Deuxièmement, ce qui va me torturer un peu, parce que moi, quand il s'agit aussi des enfants, moi, je ne suis pas trop dans les machins, je ne bandine pas avec la sécurité des enfants. Deuxièmement, ce qui me déplaît ici, c'est que elle dit, j'ai fait les premiers soins, l'enfant se retrouve abandonné à l'hôpital. Là encore, je vais appeler ici le système de l'État gabonais. Ça dit qu'il devrait avoir au moins un système de l'assistance sociale ou bien, comme on appelle le ministère de l'enfance, là, ceux qui s'occupent des enfants. Quand il y a un truc comme ça, même si l'enfant n'est pas malade, à un moment donné, elle aura un délai pour l'hôpital, un autre délai où les services sociaux prendront soin de l'enfant jusqu'à ce que les parents de l'enfant viennent prouver A plus B que cet enfant est leur enfant. Aujourd'hui, on ne sait pas si les gens qui sont venus récupérer l'enfant sont les parents réels de cet enfant-là. Donc, vous voyez qu'au Gabon, on fait vraiment les choses à la va-vite, on fait vraiment les choses au Gabon comme bon nous semble. Et pourtant, c'est la vie des enfants, c'est la vie, ce sont nos vies aussi qui sont en danger. Aujourd'hui, nous ne dénonçons pas seulement que l'État, nous ne dénonçons pas seulement que le système, c'est aussi tous nos comportements tout autour. C'est aussi ce comportement de manque de sécurité, de manque de vigilance. Vous comprenez, mes chers amis? Donc, à l'avenir, si il y a publicité ou il y a, comme la dame a dit, partager maximum, donc c'est juste qu'on va partager juste comme ça pour avoir les partages. On ne sait pas pourquoi on partage, on ne sait pas quel âge a l'enfant, on ne sait pas si l'enfant est Kotan, Damomosaké, on ne sait pas, Makoku, il y a Logo et Vindo, c'est la seule région, on veut dire que tout est regroupé là-bas, au moins 5 ethnies ou 6 ethnies sont regroupées dans cette province. Donc on ne connaît pas l'origine de l'enfant, c'est seulement qu'elle se rendait à Makoku. Qui sont ses parents? Ça encore, on ne connaît pas. Quel est, comment l'enfant se nomme? Ça encore, on ne connaît pas. Rien. Les services sociaux, en voyant la photo, devaient dire, bon, comme l'enfant a été abandonné, puisque la dame dit, on me l'a abandonné, on l'a jeté. Elle ne dit même pas abandonné, on me l'a jeté comme ça. Les services sociaux, c'est moi, en voyant toute la journée, je pense que c'est depuis hier, moi-même, mais depuis ce matin. Donc, les services sociaux, voyant cela, c'est quelque chose d'urgence que les services sociaux peuvent au moins prendre. Prendre contact, attache avec l'hôpital d'Oyem en disant, il y a un enfant qui a été déposé suite au décès de sa grand-mère. Comme, en fait, mettez vraiment les choses en place pour sécuriser les Gabonais, chers compatriotes. Mettez les choses en place pour sécuriser les Gabonais. Parce que ce genre d'information, moi, je suis sûr que demain, n'importe quel enfant va se retrouver en danger. Demain, n'importe qui va se lever et dire, cet enfant est le mien. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, lorsque le résultat a été trouvé, je ne sais pas, lorsque l'enfant retrouve les parents, à vous les parents d'autre côté, prenez la peine de dire que l'enfant a été retrouvé, refaites un post s'il vous plaît. Parce que sur le commentaire, il y a quelqu'un qui me dit l'enfant a été retrouvé, les parents ont retrouvé l'enfant, alors que moi je viens de mettre le post il y a 2 heures. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de coordination. Soit les parents n'ont pas averti l'hôpital que finalement, bien, l'hôpital n'a pas eu aussi l'amabilité de dire finalement et repartager à la personne qu'elle a partagé en premier, parce que je suppose qu'elle a partagé à quelqu'un qui a Facebook, puisqu'elle dit dedans, partagez ça dans vos réseaux Facebook. Elle devait aussi une deuxième fois refaire le même post en envoyant à sa personne que finalement l'enfant a retrouvé le parent. Ça encore, quelle a été le système de vérification que les parents qui sont venus chercher cet enfant sont réellement ses parents. Au Gabon, il y a le trafic d'enfants, mes chers compatriotes. Au Gabon, aujourd'hui, il y a le trafic d'enfants. Il y a les enlèvements, il y a la tuerie. Nous avons déjà un enfant disparu depuis déjà un an, Renadine. Donc aujourd'hui, tout ce qui touche l'enfant doit vraiment faire l'objet d'une vigilance maximum dans notre pays. Parce qu'au Gabon, il y a les enlèvements, il y a les tueries, il y a les crimes rituels. Donc, je vais appeler aux parents qui ont retrouvé l'enfant, excusez-moi, ça nous régale parce que c'est l'État. Cet enfant, c'est un enfant gabonais, on ne sait jamais, peut-être que vous êtes les mafieux, peut-être que ce n'est pas vous les vrais parents, jusqu'à ce que vous prouviez que cet enfant est le vôtre. Je pourrais fermer ce qui me sert de gueule. Alors, il y a quelqu'un qui a commenté ici, ça encore, qui vient rire là, attends, il y a quelqu'un qui a ri là. Vous voyez, Akofa Rosalie, explique-moi, qu'est-ce qui te fait rire sur ce post-là? Akosa Rosalie qui vient mettre l'icône rire.
vous voyez, il y a des gens comme ça qui méritent les injures gratuites, quoi. Il y a, vous, là, vous méritez même que je vous insulte matin, midi et soir. Faut m'expliquer en quoi est-ce que tu viens rire sur ce poste-là. Hein? Ce poste-là te fait rire en comment? Mon Dieu, pourquoi les gens sont malades dans les réseaux sociaux comme ça? Mais bref, je vais te zapper pour le moment, là. Ah, merde. Alors, il y a monsieur Gilbert de Dieu. Peut-être qu'il connaît. Gilbert de Dieu dit... Il a commenté il y a 58 minutes, il dit ceci. Les parents sont au courant depuis hier. Moi, je suis au courant depuis il y a 2 heures. Donc, si depuis hier, les parents sont au courant depuis hier, je ne sais pas pourquoi cette photo continue de circuler. Ça, c'est monsieur Gilbert, porté sur le poste, il a mis le commentaire. Donc, les parents sont au courant depuis hier. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous continuons à... faire circuler encore cette image. Un, parce que déjà, il y a un manque de communication et tous les Gabonais sont comme ça. Tous les Gabonais sont comme ça. Quand ils demandent de l'aide, on est là pour faire partager et lorsqu'ils ont une solution, ils se tuent. Personne ne vient plus donner le résultat final. Donc, si cet enfant a été... les parents ont retrouvé cet enfant depuis hier et qu'encore aujourd'hui, les gens continuent à partager que moi, il y a seulement 2 heures que je suis rentré au courant, ça veut dire que les parents n'ont pas encore fait ce qu'il faut. Alors, nous demandons aux parents de cet enfant de faire un communiqué. Nous demandons aux parents de cet enfant de faire aussi une annonce comme l'annonce qui a été véhiculée que l'enfant se retrouve seul. Faites aussi cette annonce-là. Je ne sais pas si vous connaissez les parents de cet enfant. Envoyez la vidéo parce que ça va faire chier le monde ici. À chaque fois, vous lancez les appels d'alerte et à chaque fois, c'est la même chose qui se déroule. Il n'y a jamais un retour. On ne sait jamais pourquoi les enfants ont disparu. On ne sait jamais pourquoi. Mais après, il y a silence total. Et à un moment donné, ça énerve. Moi, franchement, moi, je ne venais pas faire l'hypocrisie avec vous parce que c'est un manque de communication. Nous sommes ici un peuple. Donc, quand il y a des informations, on doit pouvoir venir donner le résultat final. Oui, mes chers compatriotes, nous avons pu prendre l'enfant. L'enfant appartient à telle famille, Et prouvez même les photos que l'enfant là vous appartient. Voici. Donc là, on lui dit l'enfant a été retrouvé. On ne sait pas, peut-être que l'enfant aussi est rentré dans un réseau de fétichisme ou bien encore, l'enfant a été confié encore dans la mafia. Donc, on va se contacter tout simplement que l'enfant a retrouvé les parents hier. Qui sont ses parents? Vous comprenez? Qui sont les parents de la petite qui s'est retrouvée à l'hôpital d'Oyem où sa grand-mère a trouvé la mort dans un accident? Quel accident? Gejaba, nous ici, on ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez ici, mes chers compatriotes gabonais? Ce serait fatigant à l'après, parce que moi, à l'avenir, si c'est comme ça, là, moi, je ne partage plus rien. C'est vrai que moi-même, je ne fais rien, mais moi, ça m'énerve ce genre de publication où il n'y a pas d'information. Ce genre de publication, pour sa confusion, comme on dit, sa pause publicitaire, je vais vite passer par là. Ben oui, bien sûr, il faut aussi que vous me payez aussi les choses. Alors, ici, j'ai maintenant trois levels. Donc, vous avez le plus grand, 250 ml maintenant des huiles bio naturelles, 250 ml. Ça, c'est le bio, ça, c'est le mélange maximum. Ici, vous avez 3 actifs dessus. Vous avez éclaircissement, ou on appelle ça embellissement, vous avez anti-tache, anti-acné, et vous avez bien sûr lutte contre le vieillissement de la peau, et vous donne une bonne mine. Donc là, les 3 actifs sont les 3 produits, donc je fais mélange. Et vous pouvez les trouver aussi en 100 ml et en 150 ml, donc vous avez 250, 100 ml et 150 ml. Vous pouvez prendre les plus différents, celui-ci va les 45 €, 39 € et 30 €. Donc si vous avez, vous commandez directement les produits. Et vous avez bien sûr aussi vos ceintures sauvagement sauvages, taille guêpe, qui vous redessine la taille, qui vous rend la taille mince. Vous allez perdre les graisses abdominales en bougeant, en allant au sport, en allant au travail, en allant au bureau, en allant même faire la bagarre avec la rivale à côté. Ça va t'aider largement. Donc, voici pour la pause publicitaire. Voici ce que moi je suis venu vous dire. Achetez que beaucoup faire. Je t'ai dit, venez acheter que de faire beaucoup parler la grande dame. Et encore ceux qui sont au Gabon, je vais vous passer une publicité ici. Je ne pourrais plus vraiment livrer les choses au Gabon. Sincèrement, je ne peux plus livrer au Gabon. Hier, on m'a taxé pour 2 kilos. On m'a taxé 110 € pour 2 kilos et demi. Donc, je ne pourrais plus livrer les Gabonais. Donc, j'ai livré quelques ceintures et quelques produits. J'ai été taxé 110 € pour
2,5 kg. Donc, malheureusement, mes clients du Gabon, je vais faire une vente à la perte, sauf si je trouve vraiment une bonne compagnie qui était comme la compagnie que j'utilisais. Mais je ne peux plus utiliser cette compagnie parce que je n'ai rien compris. Je savais qu'avant, je livrais à 12 € le kilo, mais apparemment, on ne paye plus au kilo, on paye maintenant à la valeur qui est dans le carton. Donc, si vous envoyez un Apple, sachant que Apple coûte dans les 1 000 €, sachez que vos frais de livraison seront peut-être de 300 ou 500. Donc voilà, moi j'ai déclaré un carton de 2,5 kg, j'ai déclaré à 500 € et je paye 110 €. Donc je paye le quart de mon carton, donc je ne peux pas vendre à la perte. Donc vraiment, les clients du Gabon, c'est seulement ce mois-ci, encore jusqu'à tout le mois d'octobre là, bébé, parce que j'ai encore quelques trucs. Après, moi j'arrête avec les clients du Gabon jusqu'à ce que je trouve un bon transporteur qui ne va pas me taxer selon le contenu, mais selon les kilos. Voilà. Bonjour Yaya Isaac, mon grand frère chéri, comment tu vas? Donc, vraiment, mes clients du Gabon, vraiment, sorry. Je ne peux plus vraiment continuer avec ça. C'est-à-dire, s'ils vont continuer à me demander 100 € pour 2 kilos, vous imaginez, 100 € pour 2 kilos, c'est pour moi, c'est fatigant. Peu importe, même si dans mon contenu, il y a 1 million, même s'il y a 10 millions, il ne peut pas taxer les gens selon la valeur qui est dans le carton, mais selon les quantités. Mais apparemment, je viens d'apprendre qu'on ne taxe plus selon les quantités, selon le kilo, on taxe selon la valeur. Donc, il faut maintenant mentir. Maintenant, je vous donne l'information, c'est que moi, je ne cache pas, il faut maintenant mentir. Donc, si tu as acheté ton huile à 30 €, il faut dire que tu l'as acheté à 1 €, comme ça, ils vont te laisser 12 € le kilo. J'aurais pas dû être franc, j'aurais dit qu'il y a... Il y a machin. Donc voilà, 2,5 kg, j'ai dû payer 110 €. Et là, moi, je ne peux plus avoir des clients au Gabon parce que moi, ça va peser lourd. Et voilà, ça va peser parce qu'il y avait que 4 ceintures dedans. Voilà, 4 ceintures et puis quelques cadeaux que j'ai envoyés à ma petite soeur là. Donc voilà, donc je peux pas vraiment me sacrifier pour ça, les amis. Franchement, et puis vous, les clients au Gabon là-bas, vous aimez trop payer en bon. Donc je ne peux pas, ça m'a tellement énervé hier que non, je ne peux pas. Là, je suis à tribord, je ne peux pas. Ça m'a beaucoup, je n'ai jamais payé aussi cher pour 2 kilos, ça c'est énervant. Voilà, 2 kilos à 100 €, c'est énervant. Ça, oh là 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 là, là je suis désolée. Là, franchement, j'ai eu l'overdose hier, donc du coup, je vais d'abord régler les 5. Là, je n'ai même pas encore régler les 5 € parce que ça m'automatise déjà la tête. Ça veut dire que le prix du Gabon dépasse même le prix d'achat de mes... le prix de carton. C'est-à-dire que le prix des choses que j'ai achetées, la livraison dépasse. Ben oui. Si je dois compter le prix que j'ai acheté la ceinture chez le fournisseur, la ceinture ne me coûte pas 5 € chez le fournisseur. Donc vous comprenez que je suis à la perte. Donc ça m'énerve grave. Donc les clients du Gabon, je vais vous perdre. Sauf si je trouve un bon livreur. Mais je ne peux plus livrer à 100 € le kilo parce que maintenant, il faut déclarer combien. Sauf si je déclare que c'est 2 € à chaque fois. Et puis comme ça, je vais continuer à payer 12 €. Mais le mensonge, moi, c'est 2 personnes, oui. Oh, rien. Voilà, le mensonge, moi, c'est 2 personnes. J'aime toujours être honnête pour moi. Je pense que l'honnêteté dans le commerce, ça n'a pas de place. Mieux mentir de temps en temps. Bon. Non, les bons, c'est au Gabon, non? Ceux qui prennent en bon là, ce sont mes clients qui sont au Gabon qui prennent en bon. Ça dit qu'elles me disent qu'elles prennent ici et puis elles vont prendre en bon la plupart. Bon, c'est bien aussi l'argent à tout moment. Ça encore, ils peuvent prendre en bon, il n'y a pas de souci. L'argent est bon à tout moment. Le jour que ça va serrer, ma petite va serrer. Moi, mais les bons, je m'en fous. Du moment que je sais qu'il y a une cliente qui a ça, elle sait que son pied. Elle ne va pas vite mourir pour jusqu'à ce qu'elle n'a pas encore payé ma dette. Ça encore, il n'y a pas de souci. Les bons ne me dérangent pas. Les bons ne me dérangent pas parce que l'argent est bon à tout moment. Mais. C'est le transport qui va me déranger et là je suis désolée, je pourrais plus jusqu'en décembre, je m'arrête en décembre avec novembre, décembre, là je m'arrête, voilà, parce que comme j'ai une action en cours là au Gabon, là si ça passe bien, donc je vais m'arrêter avec et puis en attendant, on m'avait donné une autre compagnie, là je vais essayer de me renseigner avec aussi, si eux aussi font au contenu, c'est-à-dire à la valeur du contenu, voilà. Moi, je pars à la poste ici, j'envoie des choses à ma petite soeur aux États-Unis. Je peux envoyer même combien de kilos, j'envoie ma petite soeur aux États-Unis. Des fois, ça coûte cher, la poste ne me demande pas. Il y a quelle valeur? La dernière fois, j'ai mis un truc de valeur de 1 000 € parce que c'était le Tissa. Comment c'est pas qu'elle l'avait envoyé comme ça? J'ai mis valeur 1 000 €. J'ai payé à peine 36 € ou 32 €. J'ai envoyé valeur de 1 000 € aux États-Unis, j'ai payé à peine 36 € parce qu'ils ne regardent pas la valeur, ils comptent sur la quantité. Mais au Gabon, ils ne comptent plus la quantité. Si tu déclares 1 000 €, tu vas payer cher. Si tu déclares, j'ai déclaré 500 €, j'ai payé la moitié de 500 €. Ça n'a pas de sens.
Elle ne va jamais vite mourir. C'est quoi le numéro du pays? Une femme qui ne ment pas, ça existe. Moi, je ne mens pas dans les affaires. Pourquoi je vais mentir? Donc, je vais mentir au client. Pourquoi? Moi, je ne mens pas dans les affaires. Pourquoi je vais mentir? Je dis que la ceinture est à 65 euros, elle est à 65 euros. Tu veux que je mente quoi? Je gagne quoi à mentir de mes clients? Aïe! Entre eux et moi, qui est perdant? Si je vais mentir, je serai perdant. Parce que si après, ils retrouvent la vérité, je serai perdante. Je mens quoi? Je gagne quoi à mentir dans le commerce? Ah! On manque dans le commerce en faisant quoi? Je dis que l'huile là, c'est une huile naturelle. Tu ne vas pas brunir, tu ne vas pas devenir jaune. Elle va t'embellir le teint. C'est la vérité? Parce que ce sont les actifs naturels. C'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé. Donc ça va t'embellir. Mais là, si tu veux devenir rouge, là, tu vas venir me traiter de menteuse. Parce que de toute façon, je ne cherche pas à blanchir la peau de quelqu'un. Moi, je ne suis pas blanche. Je ne fais pas le maquillage. Je ne mens pas. Moi, je ne mens pas. Sauf quand il faut escroquer un homme, je vais dire que non, ma grand-mère est morte. Là, c'est un mensonge. C'est un mensonge bien fâché parce que je vais escroquer pour qu'il m'envoie l'argent pour aller enterrer mon grand-père qui est mort depuis. Tes parents ont payé combien? Non, ça devient... Vous voyez, bon, on sort du coq à l'âne, il n'y a pas de souci. Vous voyez comment, pourquoi beaucoup de jeunes Gabonais à l'étranger n'investissent pas? Vous voyez comment beaucoup de jeunes Gabonais ne peuvent pas entreprendre au Gabon? Sachant que tu es ici à l'étranger, tu as envie d'entreprendre au Gabon, tu ne peux pas. Parce qu'on est bloqué sur ce système de transport. C'est pas comme l'Afrique de l'Ouest, je n'arrête pas de le dire ici. On est bloqué. C'est-à-dire le Gabon, le Gabonais fait tout pour freiner les autres d'entreprendre. Comment 2 kilos, je peux payer 110 euros pour 2 kilos. Bon, imaginons le jour que j'envoie 100 kilos, je paye combien? Hein? Comment je peux payer 110 euros pour 2 kilos? Voilà pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui sont obligés de rester à la maison, ne peuvent pas entreprendre. On va entreprendre, beaucoup ont envie d'aller entreprendre au Gabon. Beaucoup ont envie d'entreprendre, ça dit que tu es ici, tu envoies tes choses, on te vend, on te ramène ça. Mais tu vas faire avec le transport. Ou le transport, ça dit que tout ton capital reste dans le transport. Tout ton capital reste dans le transport. Les trucs que j'ai envoyé là, c'est pour un influenceur. L'influenceur me demande déjà même la moitié du prix que le transport vient de me prendre. L'influenceur me demande la moitié du prix. Je fais comment? Donc, non seulement pour une seule action de marketing, je paye déjà ça. Je paye encore le français. L'influenceur me donne le double parce qu'il me demande le double. L'influenceur me demande le double de le prix qui a été pris pour le transport. Mais vous aussi, regardez. Ça m'énerve. Ça dit que hier, j'ai crié. Ça m'énerve. Ça me traumatise même. Je dis que je ne peux plus. Ah non, non, moi, ça me décourage. Je ne peux plus. Donc, j'arrête le marché gabonais. J'arrête avec mes clients au Gabon. Je vais traiter avec le Cameroun et d'autres pays. Parce que si je ne trouve pas un transport normal, et quand tu vas regarder sur Facebook, tu veux faire avec d'autres transporteurs, 110 euros, c'est combien? Ça fait 72 000 francs CFA. 2 kilos, 72 000 francs CFA. C'est 72 000 francs CFA pour 2 kilos et demi. 72 000 francs CFA. Voilà. Donc, même quand tu vas sur le Facebook des ou qui font « Je transporte ton colis », là-bas, c'est encore des anarchos de première catégorie. Quelqu'un te demande 50 euros pour amener ton enveloppe. Quelqu'un te demande 100 euros pour t'amener. C'est vol. On ne peut pas entreprendre au Gabon. C'est fatigant. C'est vraiment compliqué. Moi, ça m'énerve. Ça me fait chier quand même d'être gabonaise, de fois. Ça fait chier énormément. Si je pouvais créer même ma compagnie de transport même, mais va trouver d'abord l'énergie pour ça avec tout ce que j'ai fait là. J'allais trouver moi-même ma compagnie de transport et faire pareil comme en France parce que là, c'est énervant. Je ne peux pas faire de l'argent comme ça. J'envoie des trucs aux États-Unis. La dernière fois, j'ai envoyé le truc à comment on appelle le pays là, en Australie. J'ai à peine payé 12 euros. J'ai envoyé en Australie. J'ai envoyé en Australie. J'ai à peine payé 12 euros, 15 euros. L'Australie, ce n'est pas en Europe. Hein? Les États-Unis, j'envoie tout le temps les États-Unis là-bas. Je n'ai jamais payé 72 euros pour envoyer aux États-Unis. La dernière fois, j'ai envoyé un carton de poids de 8 kilos. Je n'ai même pas payé plus de 50 euros. Tu peux payer plus de 50 euros, mais envoyer au Gabon 2 kilos et demi. Sans. Je dis que madame, pourquoi les prix ont changé? Je sais qu'à l'époque, c'est 12 euros le kilo. Donc, le moment, je dois payer 24 euros. Oh non, parce que vous avez déclaré telle somme. Et comme plus vous déclarez une somme élevée, plus le montant augmente. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Donc, si maintenant j'envoie un ordinateur de 1000 euros, si je vais envoyer mon père un cadeau de 1000 euros, donc dans les 1000 euros de cadeau là, vous allez aussi me prendre 500 euros. Non, mais c'est abusé quoi. Moi, je suis désolée. Donc, c'est plus au kilo. On ne vous taxe plus au kilo. Kilo. Je sais, moi, je parle avec la langue. C'est plus les kilos. C'est maintenant à la valeur de l'article. Si tu veux envoyer ta mère iPhone et que l'iPhone coûte 2000 euros, sache que dedans, ils vont te prendre 500 euros de transport. Tu vas comprendre.
Donc même si le iPhone coûte 1 kilo, tu vas payer 500 euros parce que la valeur de ton iPhone, on tout sait, c'est que le iPhone, celui, il y en a de qui est maintenant à 1800. C'est abusé. Je travaille avec eux depuis 2 ans et c'est la première fois que je viens entendre que les prix ont changé. Les prix ont changé. Moi, sincèrement, je ne peux plus travailler avec eux. Je m'arrête là parce que je suis à la perte. Je ne peux pas perdre l'argent comme ça. Je ne peux pas. J'étais habitué 12 euros le kilo. Je savais que c'était au kilo. Maintenant, j'ai appris que ce n'est plus au kilo. C'est maintenant la valeur déclarée. Je ne vais plus déclarer. Donc, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Voilà. Le transport et la douane tuent l'entrepreneuriat. Exactement. Exactement. On ne peut pas entreprendre au Gabon. C'est fatigant. Rien ne peut pas vous traumatiser. L'argent me traumatise. Quand je dois perdre beaucoup d'argent, ça me traumatise. La dernière fois, mon père est connecté là. La dernière fois, c'était avec mon père. On a payé dans les 100 et quelques 1000 francs CFA. Je ne sais plus, c'était. Papa, c'est combien? C'est 120 000 ou 130 000. J'ai halluciné. Moi, je perds beaucoup. C'est-à-dire, les clients qui sont au Gabon ne savent pas que je leur envoie les trucs par plaisir. Hein, mais je ne gagne pas aux clients du Gabon. Hein. Je ne gagne pas. Je gagne qu'avec mes clients ici en France. Les clients du Gabon, c'est le plaisir. Parce que je perds dans les transports. Je perds dans les transports. C'est hallucinant. On va, je vais chercher la compagnie qui fait au kilo. Mais là, ça m'énervait parce que j'étais habituée avec cette compagnie. Parce qu'il y a le suivi, il y a tout. Mais non, les prix, je suis désolée là, je ne vais pas faire semblant. Je ne peux plus travailler avec... une compagnie qui me taxe à la valeur, ça ne marche pas, voilà. J'aurais peut-être envie d'envoyer mon père un ordinateur de 1000 euros. Ils vont me dire, déclarer la valeur, je vais déclarer 2000 euros l'ordinateur. Ils vont me dire, comme l'ordinateur coûte 2000 euros, vous allez payer 500 euros ou 1000 euros les frais. Je ne peux pas. Moi, je ne peux plus travailler avec une compagnie qui taxe à la valeur au lieu de taxer au kilo. Ça n'a pas de sens. Ah, même en France, on taxe au kilo, on ne taxe pas à la valeur. Voilà, on taxe au kilo. Après, c'est la douane maintenant. La douane qui va dire que payer, comme moi, quand je commence souvent auprès de mes fournisseurs, quand ça arrive, la douane m'envoie ça que je suis commerçant. Ça, c'est parce que je suis professionnel. Donc, après, j'ai les taxes douanières, j'ai la TVA à payer. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'entreprise qui supporte ça, pas la cliente. Je ne suis pas là à supporter les frais de douane. Hein? Est-ce que je mens? C'est pas à moi de supporter les frais de douane. Bon, moi, je ne vais pas vous citer le nom de compagnie parce que moi, j'ai pour objectif de ne pas saquer les gens dans leur commerce et puis je n'ai pas un problème avec eux. Mais je vous dis juste que la compagnie avec laquelle je travaille, elle m'a taxé une somme hier que je n'ai pas appréciée. Et puis, je pense que je ne peux plus travailler avec cette compagnie parce qu'elle est chère. Maintenant, elle devient maintenant chère. Elle voit maintenant un peu trop grand. Elle voit trop grand par rapport à mon porte-monnaie. Moi, je ne peux pas payer 100 euros pour 2 kilos à chaque fois. Si 2 kilos, je paye 100 euros pour 3 ceintures que je dois envoyer à mes clients et puis quelques cadeaux que j'ai envoyés à ma soeur. C'est tout. C'est que le jour que j'aurai envie d'envoyer 10 kilos, prenons l'exemple, si 2 kilos, j'ai payé 100 euros, on va multiplier, ça fait combien? Si 10 kilos, 2 kilos, j'ai payé 100 euros, 10 kilos, j'ai payé combien? Ah, vous comptez, oh, je vais arriver dans les 500, dans les 1000 euros 10 kilos. Je vais arriver 1000 euros 10 kilos. Pourquoi? Parce que dans les 10 kilos, là, je vais peut-être déclarer 1000 euros. Bon, le kilo a fait quoi? Laisse le kilo tranquille. J'ai dit kilo. Ah, laisse-moi toi aussi. Tu viens encore corriger le français comment? Ah, vous avez les ouais. Bon, les amis, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. On a terminé sur ça. J'espère qu'au début, là, les compatriotes ont compris un peu le message que je voulais lancer. Au début, apparemment, l'enfant a été retrouvé. Donc, je vais mettre le pause que, apparemment, parce que je ne suis pas sûre, je n'ai pas vu. Donc, je vais mettre apparemment, l'enfant a été retrouvé selon. Et je vais mettre le commentaire à côté. Je vais encadrer le commentaire pour qu'on sache que ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Et puis, je mets à côté que les parents veuillent nous confirmer que cet enfant est le vôtre que vous avez repris. Donc, je vais m'arrêter par là. Merci à vous. Merci pour les partages. Et papa, faut pas trop venir. C'était tout le nom du voisin ici. Là, c'est pas bon. Donc, on se donne rendez-vous à tout moment. Je n'avais même pas l'intention de faire le live aujourd'hui, mais bon, vous connaissez Tata Claire. Donc, bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. La reprise, c'est demain. Ici, l'école, les enfants ne vont pas à l'école mercredi. Hein? Je ne sais pas pour certaines villes ou bien certains pays. Voilà. Nous, ici, on ne va pas à l'école le mercredi. Donc, Evan n'est pas allé à l'école et on reprend demain.
Bonne soirée à tous et à bientôt. Pardon si vous avez une bonne compagnie qui taxe au culot. Au culot et non au kilo. Si vous avez une bonne compagnie qui taxe au kilo, qui taxe au kilo et non à la valeur, faites-moi signe, s'il vous plaît. Parce que vraiment, ça va me pénaliser de ne pas pouvoir livrer mes clientes au Gabon. C'est vraiment pénalisant. Mais si je dois être perdant, je serai obligée de ne plus vivre. Voilà, on m'a parlé d'une compagnie la dernière fois. On m'avait parlé d'une compagnie la dernière fois. Je me suis abonné à leur page. Je vais les appeler demain pour avoir la certitude s'ils livrent, s'ils font les taxements par kilo et non par valeur. J'ai bien prononcé non kilo et non culo. Pardon, Claire, allez, oui. Bonsoir, Urgelle. Moi, je suis en train de partir, Roxane. Bonne soirée à vous, ça. Vous m'envoyez pas les étoiles. Vous pouvez m'envoyer les étoiles. Envoyez-moi les étoiles, là. Nous sommes déjà à moitié. Regardez-moi, les gens. Vous pouvez pas envoyer les étoiles à votre soeur. Vous savez, les oui. Bonsoir. Bisous. À bientôt.